points par rapport aux dernières européennes. C'est d'autant plus. Assis maintenant! Assis, il plaît derrière par ici! Madame la présidente, madame la présidente! S'il vous plaît! Assis! Ce soir, je remercie les Français. Nous avions raison d'avoir confiance en eux. Le peuple souverain a parlé, haut et clair, comme dans tous les grands moments de son histoire. À la coalition de tous ceux qui ne croient plus en la France et qui pensent que les Français ne sont plus dignes de la liberté et de la souveraineté, le peuple souverain a clamé qu'il voulait reprendre en main les rênes de son destin. Notre peuple exige une seule politique, la politique des Français, pour les Français, avec les Français. Ils ne veulent plus être dirigés du dehors, se soumettre à des lois qu'il n'a pas votées ni obéir à des commissaires qui ne se sont pas soumis à la légitimité du suffrage universel. Ce soir, je remercie les Français. Chenez les partis du renoncement en les renvoyant. Le président de la République doit à présent prendre les dispositions qui s'imposent pour que l'Assemblée devienne nationale, représentative du peuple et à même de mener la politique d'indépendance que le peuple a choisi ce soir. Je vous remercie.